Séance de détection de talent à Massy afin de préparer la prochaine saison chez les jeunes et afin de dénicher le futur Bastaro, le rugby club de Massy-Essonne organise des séances de détection, des matchs durant lesquels s'affrontent des jeunes par catégorie d'âge, dans le seul but d'intégrer les rangs du club essonien, référence en matière de formation. On a globalement des joueurs de tout le nord de la France, on a des joueurs même qui viennent de Saint-Médard en Jalles, donc de la région bordelaise, des joueurs du centre, des joueurs de Bretagne, de la région bourguignonne, et puis surtout des franciliens, énormément de franciliens d'un peu tous les départements. Pour l'occasion, un grand jury composé de joueurs et d'éducateurs du club est missionné pour donner son avis et choisir les joueurs qui auraient un potentiel pour renforcer le RC Massy-Essonne. Réponse définitive dans les deux semaines après la séance de détection. On a deux, trois très bons joueurs là, qui sont venus même d'eux-mêmes, qui en plus qui correspondent à des attentes d'équipe et du centre de formation par rapport à des postes qu'on recherche. Donc c'est très très bien, ça va nous permettre d'aller chercher. De toute façon, on va prendre 4-5 joueurs, pas plus, sur le centre de formation. Et bon, il y en a déjà un ou deux qui sont vraiment très, très intéressants et qui correspondent à ces profils. À l'issue de cette séance de détection, ces jeunes joueurs se verront peut-être proposer un maillot bleu et noir, avec le secret espoir pour ces fans de rugby de réaliser leur rêve, à savoir devenir professionnels. Un long chemin semé d'embûches.